Au pit! Au pit ou au pit? Let's go! Amuse-toi bien, ma loulou! Merci, mon pit! Allez! Allez, let's go! Les premiers runs à Val Nord ici pour la Coupe du Monde number 4. Et regardez-moi cette vue là. Ça, c'est beau au moins. Bon, le pit est peut-être à 3 km, mais on a une belle vue pour aller au départ. Donc, c'est parti, let's go! À être à 100 km, c'est comme moi, on fera rôder les plaquettes. Là, je les fume un peu avant qu'on aille sur piste, comme ça, j'ai direct le bon grip. Il est déjà là. Bonjour. Salut le chef. Ça va et toi? Direct dans le vif du sujet. Training en Andorre, World Cup number 4. Filou, il est prêt. Il a le... Ah putain, mais je me disais aussi. Il a le masque sur les oreilles. Bonjour la France. Wow. Putain, on n'a pas le droit de pisser ici. Bon ben voilà, Thomas, qu'est-ce qui se passe? Tu nous racontes? Là en fait c'est interdit de uriner tranquillement. Dans une nature. C'est un peu extrémiste les Andorrans quand même. Mais je pense parce que c'est la frontière espagnole. C'est comme si l'Andorre elle pissait sur l'Espagne. Voilà, c'est un peu ça. Donc Kaidi il a pas pu pisser parce qu'il pissait sur l'Espagne. Ça roule, allez go! Bon allez, premier tour de roue. Ah bah le vélo il fait plus aucun bruit. Merci mon pit. Ah yes. Ouh, la vitesse déjà les gars, vous imaginez même pas. Faut être prêt hein. Ça va déjà Mach 1000. Mais c'est vraiment bon. Ouh. Allez. Bon je suis collé. Mais je prends du fun. Il y a quand même quelques petites racines qui sont glissantes. Ah ouais, putain, ça va là déjà. Alors, est-ce que ça tire type? Ah yes. Je disais à Elliot là, c'est qu'on les sent les 2300 mètres d'altitude quand on est au sommet. On va pousser le bike. Deuxième run, let's go. J'ai coupé un pneu. J'ai remis une roue neuve. Enfin, la roue d'Emi, du coup, ça aurait été mis. Je t'emprunte une roue. On va boire un petit coup de flotte. Yeah, you too, man. You too, thank you. En tout cas, le vélo est bien réglé, je trouve. Ça, c'est cool. Let's go again. C'est mon deuxième, attention. Ouais, mais tranquille. Let's go, petit run avec leur visao. On va voir ce que ça donne avec le crypto largo à l'arrière. Ah, c'est intéressant, on n'a pas du tout les mêmes lignes. Au moins on peut comparer un peu. Wow. C'était chaud là. Je sais pas ce qui s'est passé. Je crois que c'est pas la bonne ligne. Non, je crois que c'est pas la bonne ligne.
Ouais. Le bike il va bien mon pit. Parfait. Pas trop de bruit, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien parce qu'on est un peu dans les sous. Après 3 runs déjà, ça va super vite. 11h30. Et ça va super super vite. Les remontées se font en 7 minutes, t'es au sommet. Et la descente en maximum 5 minutes si tu fais un ou deux arrêts. T'es en bas donc ça peut vraiment lapper. Et au final c'est ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. J'ai vraiment envie de faire des runs, être used to the pace. Donc vraiment être habitué au rythme de la piste. Comme ça je sais à quoi m'attendre. Tout est vraiment trop cool, les sauces font bien. Premier run t'es déjà full gaz. Maintenant ça va sécher donc ça va changer, ça va se creuser. C'est là que ça va commencer à être intéressant et plus dur. Voilà, faut s'y attendre. Matin j'étais en Argotal donc un pneu intermédiaire à l'avant. Argotal à l'arrière quand j'ai crevé et là je repasse sur du crypto front crypto rear, donc des pneus plus on va dire bike park pneus sec. On va voir ce que ça donne, je pense que ça va être plus roulant, ça va aller encore plus vite. A priori il y a un drapeau rouge. We good to go? Qu'est-ce qui se passe là? Ouah! Que vous les voilez ces trous! What? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh! C'est every time I fucking see you, Peter! Bon, là je crois qu'il va falloir plus qu'une Alenki là. Putain! Toute la roue elle est desserrée. Un poisson là. Bon, allez, on va descendre par ce chemin. La crevaison, ça arrive, mais putain la roue. Je sais, ça vient d'être juste monté. Du coup, c'est possible que ça se desserre, mais bon. But I think now the crypto rear crypto front is a bit. Bon, regardez-moi avec qui je suis dans le télésiège là. Le vainqueur de l'an dernier, Loris. T'as la pression? L'interview compliquée là. L'interview compliquée? Non, en vrai, t'as la pression? De l'interview, ouais. En français, tu sais que c'est dur, genre t'as plein de mots, tu peux dire plein de fois de la merde. Ouais. En anglais, j'ai pas beaucoup de mots, je dis de la merde dans tous les cas et t'as une excuse. Ouais, c'est vrai, t'es French et du coup, tu te dis ah, c'est bon, je suis French. Non, du coup, est-ce que t'as la pression de la course? Pas trop, franchement pas trop, je suis pas... Moi je ressens la pression quand je sais que je peux bien rouler. Et là genre je sens que je galère un peu. Du coup j'ai fait tout pour essayer d'être bien. Mais tu sais, t'es focus sur essayer d'être bien. Ouais. Quand t'es bien, tu roules bien, tu te dis putain il faut que ça arrive. Ouais, il faut. Et que... c'est là où je me chie dessus un peu, okay. La pression. Mais l'an dernier t'étais dans ce même état d'esprit? Franchement l'an dernier c'était... J'avais pas fait un podium de l'année. Bon. Et j'étais en mode bah allez, il faut en mettre, faut y arriver. Ok. Et j'avais fait la qualif, bon ok. Et j'avais fait la course, j'étais trop content, tu vois, genre ouais. Tu sais genre premier podium de l'année, une victoire, j'étais trop content. Ça t'a libéré en plus. C'est ouf. Ouais. Et là cette année c'est un truc de fou, il y a tout le monde qui roule vite, c'est n'importe quoi. Genre c'est un passé un cap que genre tous les ans ça passe un cap. Ouais, on est d'accord, hein, c'est de la F1 maintenant. C'est abusé. De plus en plus. Ouais. Ouais, de la MotoGP peut-être plutôt. Ouais, grave. Ok. Ok. Et que dire de la piste? Et les nouveaux changements, t'aimes bien? Franchement, je t'avoue que moi j'aimais quand même bien l'année dernière. Genre, se tirer là? Bah, tout, tu sais, genre ça avait un rythme. Ça roulait vite, à rentrer, tu tapais les appuis, ouais. Il y avait quand même une sensation de vitesse, tu vois. Et genre là, t'es un peu sur les freins, un peu. T'as peur qu'il y ait un caillou roulant. Ouais, c'est de la gravette un peu. Du coup, c'est compliqué de se dire, allez, j'en mets, tu vois. Ouais, en tout cas, je me chie et je me dis, ah, je peux tomber là, je peux tomber ici. Là, il y a un caillou qui roule, je peux tomber là. C'est vrai. On verra bien ce que ça dit. Au-delà que mon poulet. Beau temps aussi. Merci. Okay. Comment je fais mon vlog là si je peux pas te suivre? Ah ouais, je vais suivre.
Tiens, ouais, je vais essayer. Allez, je vais essayer de suivre d'après elle. Bon, il n'y a aucune chance que j'y arrive, mais bon, on va essayer. Tiens, je me suis mis une chaleur. Je suis surpris, j'arrive à le suivre, putain. T'as aimé? Là, t'as pas de train. Bon, petit crash à high speed là, ça remet les pots sur les i. On n'est pas invincible, mais c'était cool, il y avait de la vitesse. Allez, on s'en fout, je sais exactement quelle erreur j'ai fait. Let's go. Ben, il essaye de comprendre ce que j'ai cassé sur le vélo là. Donc voilà, dérailleur tout neuf, il a fait 3 descentes. Bon, en même temps, avec le crash que je me suis mis, je crois que n'importe quel dérailleur aurait pu péter. Tu pars pas longtemps après moi. Allez, ça y est, on a l'ordinateur qui est allumé là. Go faire du bike un peu là. Ouais. Ah. On avait perdu un bout là. Bon là il se passe qu'il y a un nouveau format, c'est que maintenant on peut faire des temps chrono, même pendant les entraînements, un peu comme des time training à l'ancienne mais pour tout le monde. Plaliche de verre. I have the thing back on my shock, so it's cool. Yeah. Hey. Oh yeah. Micheline, ready? Yeah. See you at the bottom. Have fun. Donc là, dans les tentes sur les hommes traîneurs et à faire de la balle de ping-pong, de tennis et tout là, c'est les juniors. Les juniors qui vont pour leur quali run. Et nous les élites, dernier training run.
Ah bah voilà, putain. Chier ce caillou là. Oh putain. Putain, décidément aujourd'hui j'ai tout qui se barre là, regardez-moi ça. Putain. Yes, CG. Yeah. Un malade. C'est la sortie de la téléphone. C'est Gracia qui est où? Il est collé. C'est quoi ton job, papaye, maintenant là? Ben là, je suis un advisor. J'advise. Il y a vraiment que sur les Coupes du Monde que tu vois ce job. Ouais, c'est ça, je que c'est un job créé pour les, pour nous. Pour nous. Voilà. C'est quoi, c'est pelle à pied. C'est ratisseur de piste avec ses pieds. C'est ça. Ça, c'est un nouveau job. Quand t'as pas d'outils, c'est pratique. Hein. Les shoes specialized, c'est fait pour. C'est du rock, mon pote. Ouais. Non, il faut tous en jaille. Hein. On est là, on conseille les lignes, on conseille les réglages, on essaie d'aider un petit peu au pilotage si on peut. Et, mm-hmm. et après, c'est eux qui font le reste. Hein. Ouais. Ça, c'est sûr. Ouais, j'aimerais bien, moi, qu'on m'aide et que j'arrive à faire le reste. Ah ouais, il va falloir. Je te ferai une facture. Ah ouais, ok. Merci, papa. Bon, là, on attendait Amy. Je me suis dit, je vais mettre sur le bord de piste parce que j'avais encore cassé des trucs sur le bike. Je voulais l'attendre pour l'encourager et en regardant les live timings, elle a passé seulement le premier split. On dirait qu'elle a un problème derrière, donc on va descendre et voir ce qu'il en est. Bon, j'avais peur qu'elle se soit fait mal. Au final, ça va. Enfin, ça va. Elle se qualifie pas, ça fait chier. Mais au moins, c'est qu'un problème mécanique. Ça, c'était une putain de journée, hein. Bilan de la journée, Micheline pas qualifiée du coup parce que problème mécanique, donc voilà, fin de chantier pour elle malheureusement. Et moi, pas mal de casse, de crevaison et tout ça, mais voilà, hein, comme on dit, au moins c'est fait, c'est plus à faire et j'espère que ça n'arrivera plus. Bah du coup, ça fait qu'il n'y a plus que moi à courir pour le Pinkback Racing, donc il n'y a plus qu'à sauver l'honneur. Ah ouais, avant de vous finir tout ça, je vais essayer de vous montrer quand même comment il était stylé. Le maillot de Micheline que j'avais fait faire auprès de chez Darko avec la manche GB parce qu'elle était championne nationale d'Angleterre. Donc d'ailleurs, c'est arrivé genre 2 heures avant la qualif grâce au Komentalmikov qui a réussi à dédouaner tout ça. Donc voilà, je vais vous montrer ça et puis après, bah, je vous montre ça, je vous mets ça en ligne. Allez, ciao. Yes, Micheline avec la petite manche. Quignon.